Vous venez de monter vous-même le spectacle marionnettiste avec les chorales d'enfants d'Asnières et de Bondy, la fameuse chanson. Et je viens aussi de finir l'album du spectacle. Et d'ailleurs, là, tout à l'heure, je vais rejoindre la troupe des Kids Terrae, il s'appelle, pour la répétition. Une répétition. Je vis, mais dis-moi tout, marionnettiste. Je défie seul à mon destin. Tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Ah bah ça fait super longtemps, ça fait trop longtemps, 2 mois c'est beaucoup trop long. Tu nous as manqué. Bah, moi aussi, vous m'avez manqué aussi. Bah, je vous fais un gros bisou énorme. Ce spectacle marionnettiste, je l'ai écrit, je l'ai conçu, je l'ai pensé. J'ai eu envie de le faire parce que Pierre, du coup, est toujours vivant. Je veux absolument qu'il soit toujours vivant, que c'est important que la nouvelle génération connaisse. Et puis Pierre a tellement toujours chanté avec des enfants, il les faisait monter sur scène, il a toujours... Je veux dire, c'est logique, c'est un retour de choses logiques. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos, on mangera du fun. Et on prendra des clous en plein dans l'air. On n'aura plus de gants, on aura nos poings. Quand on aura 20 ans, on en verra. Vous n'avez pas eu d'enfants ensemble. Est-ce que c'était un regret, Fanfan ? Pas du tout. Ça a été un regret pour Pierre pendant un temps. Il aurait bien eu envie. Moi, pas du tout. J'avais égoïstement envie de vivre mon histoire d'amour sans bébé à côté. J'avais, moi, de mon côté, des enfants. Donc, j'avais pas du tout désir de maternité particulier. Et alors, égoïste totalement. Et les chansons, aujourd'hui ? Et les chansons, c'est nos bébés, finalement. Non. Quelle jolie transmission, quoi. C'est Et les enfants qui découvrent, parce que le plus petit, il a 9 ans, il ne savait pas qui était Pierre Bachelet du tout. Ils le découvrent et ils aiment bien, c'est génial ça.